Ah putain, la capture elle s'est arrêtée au juste au moment où je le bute. J'espère que ça va aller. Bon, clé de la tombe, Doédon. Il m'aura fait chier le père Gascoigne là. J'aurais pu le faire en first try et il m'a fait chier avec ses trucs. La première fois il m'a surpris, mais j'étais prêt à le faire. Donc encore deux gros coups de hache dans la gueule, il était mort. Mais la transformation, ça m'a, je sais pas, ça m'a déstabilisé. J'ai dit, waouh. En fait, faut pas rester devant. Faut juste passer derrière. Il fait ses trucs de ouf là. Mais il est violent. C'est un violent. Ah, il y a une lampe. Voilà. Bon, j'espère que ça a bien capturé parce que je pense pas que je pourrais le refaire. Ah, les boss, une fois qu'ils sont morts, ils sont morts, on peut pas revenir dessus. Non, mais là, il n'y a rien à récupérer. Ah, ça. Ça, c'est à moi. En plus, ils donnent rien du tout. J'avais 3000, je crois, avant de récupérer ça, et ils donnent pas beaucoup. C'est quoi? C'est un objet là-bas? Il y a un objet là-haut. Une échelle. Ah, j'y ai cru! Je pensais que c'était une échelle, putain! Ah, j'y ai cru! Un putain de mur qui ressemble à une échelle. Ah, les bâtards! Donc, Père Gascogne, j'ai un doute. J'aimerais bien retourner au truc où on pouvait invoquer un espèce d'esprit. Mais il me semble bien que c'était Père Gascogne. Et du coup, j'aurais même pas mis un cocktail Molotov dans la gueule, cet enfoiré. Bon, bah, je préfère lui que le premier boss qu'on a fait. Hein. Lui, au moins, il était. Sauf la deuxième phase, un peu bizarre. Il ressemble. Enfin, il était bien, mais bon, ça, il ressemble pas à grand-chose, quoi. Voilà. Une broche rouge. Pourquoi ça me dit quelque chose, ça, une broche rouge? Broche rouge. Bon là, il n'y a rien. Alors je sais pas si je vais me prendre un petit niveau ou si je continue. Non, là j'ai été... Attends. Ça s'ouvre pas, je suis dégoûté. La clé de la tombe d'Eden. Eden, on va dire. Comme un œuf, hein, Eden. Comme un œil, un œuf. Eden. Ouais, lui, il utilisait pas mal son gun, hein, mais j'ai pas. Ouais, faut que j'y pense. Mais je sais pas, j'y pense pas. Je sais même pas si je fais du dégât quand. Attends, le prochain mob que je vois. Je lui mets un coup de gun dans la tronche, histoire d'avoir... Y a quelqu'un là-bas? Non. Ah, je sais pas, je devrais peut-être pas trop m'aventurer par là. Là, y a rien. Ah, le père Gascoigne, j'aurais pu le faire en premier coup. Le deuxième coup, il restait, mais franchement, il restait un coup. Il devait avoir 5 points de vie. Et troisième fois. Je crois que je l'ai fait en 3 fois. Hein. Oh, c'est cool. Ah, c'est trop beau. Franchement, classe. La bibliothèque. Je cherche ce tome. Celui-ci. Je sais pas de quoi ça parle, tous ces bouquins, mais. Ah, un coffre. Ah, le premier coffre.
J'avais. Attends. Non, j'ai encore jamais vu un coffre comme ça dans le jeu. Outil de l'atelier de gemmes sanglantes. Je sais ce que c'est. C'est ce truc-là. Joyau sanglant apaisant. Je pense que ça doit être ça. Faut absolument que je retourne dans le rêve du chasseur. C'est quoi ça? L'araignée de Birgenwer. Ouah, cache toutes sortes de rites et tient éloigné notre maître perdu. Quel dommage, cela fait trembler ma tête de façon incontrôlable. Ouais. Je vois pas trop ce que tu veux dire, mais bon. Ah, le coffre! On peut le casser. Voilà. Attends, on peut les péter les bouquins. La bibliothèque du père Gascogne. De me faire surprendre à ouvrir par pitié. Ouais, c'est bon. Ah, pas un boss. Putain, ils vont me remettre un boss! Non. C'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Parler? Trop pitié le truc, mais meurs. Oh, vous devez être une chasseuse. Désolé, l'encens a dû masquer votre odeur. Bien, bien, j'attendais quelqu'un comme moi. Avec ces parties de chasse, tout le monde s'enferme. Ils attendent que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter, depuis la nuit des temps, mais ça ne finira pas bien. Pas cette fois. Même ceux qui se cachent chez eux deviennent mauvais. Les cris des femmes, la puanteur du sang, les grognements des monstres. Tout ça est courant désormais. Yarnam est perdu. Croyez-moi, mais si vous croisez quelqu'un qui a encore toute sa tête, parlez-lui de cette chapelle Odon. Ils seront en sécurité ici. L'encens éloigne les monstres. Diffusez l'information. Dites-leur de venir. Et si ça ne vous embête pas. Je sais que je ne devrais pas vous demander ça, mais si vous croisez quelqu'un en chassant, parlez-leur de cette chapelle des bonnes. Enfin, s'ils vous semblent dignes de l'entendre. Oh, et j'espère qu'ils le seront. Je sais que je ne devrais pas vous demander si vous croisez quelqu'un en chassant. Parlez-leur. Il est bizarre, lui. Donc, en fait. Ça me rappelle la meuf qui demandait si j'avais pas un endroit où je connaissais pas un endroit où on pouvait se réfugier. Et je lui ai dit non parce que j'avais pas de. Donc je pense que. Si je retournais la voir, je dirais de venir là. Ah, mais c'est jouissif de tout défoncer comme ça. Rouler boulet dans les jarres. Jean-Michel. Pardon. Jarre. Enfin. On va allumer ça déjà. Ah, je pensais que c'était un boss à la cinématique. Je fais ah non, mais pas déjà. Retourner dans le rêve du chasseur. Bah, je pense qu'on va faire ça.
pas ce qu'il y a après. Ah, j'ai trop envie de voir ce qu'il y a après. Franchement, ce jeu, j'ai trop envie de... Ah, il y a un passage là. C'est quoi un ascenseur? C'est quoi ça? Il y a un passage là. Voilà. Il y a encore une porte. Bon, là, il y a deux... Par là et par là. On va aller dans le rêve du chasseur. Faut que je regarde le truc avec la gemme, l'outil d'atelier là, ce que c'est. Moi, je trouve que c'est chiant. Enfin, le truc, pour l'instant, le point négatif, c'est le d'être obligé de retourner à chaque fois dans le rêve du chasseur pour prendre des objets, prendre un niveau, réparer des outils, monter son arme. Je sais pas si tout ça c'est des mondes encore après, mais c'est un truc de malade, il y a du taf. Hein. Alors attends, je vais immédiatement voir. Qu'est-ce que tu racontes toi? La lune est Germain. Proche. La chasse sera longue ce soir. Si les monstres puissants menacent d'anéantir votre âme, cherchez un calice sacré. Les chasseurs qui nous ont précédés. Un calice sacré révèle le tombeau des dieux où les chasseurs entrent en communion. La plupart des calices sacrés reposent dans le tombeau des dieux. Rares sont ceux qui ont été ramenés à la surface pour être aussitôt perdus entre les mains des hommes. Et si les légendes des chasseurs sont vraies, l'un des calices sacrés est vénéré dans le hameau de la vallée. Cependant, la ville est en ruine. Lorsque le fléau est survenu, elle a été brûlée et abandonnée. Seuls les monstres l'habitent encore. C'est l'endroit idéal pour une chasseuse. Pas vrai? L'un des calices sacrés est vénéré dans le hameau de la vallée, une ville de monstres, l'endroit idéal pour une chasseuse. L'un des calices... Voilà, beaucoup d'infos encore. L'outil de l'atelier d'inquisition n'est pas disponible. Ah, je pensais que c'était ça. Bon, je pensais que je pouvais... Ah mais non, c'était ça, ok. Voilà. J'avais débloqué un truc d'outils, mais c'était ça. Fortifier des armes à l'aide des gemmes sanglantes. Les gemmes sanglantes octroient des caractéristiques spéciales aux armes. Voilà, donc je vais pouvoir le mettre... ça. Donc attaque physique plus 2,1. C'est important le 1. Bon, c'est pas mal, c'est déjà un petit plus. En plus je peux en mettre deux autres je crois. Enfin une autre, après il y a une espèce de losange, de triangle. Pardon. La géométrie. Apparemment je peux mettre trois trucs dessus. Par contre je sais pas si je peux l'enlever. Ouais. Voilà, je suis à plus 13. Bon, bah voilà. Donc du coup, ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Pour l'instant. Je vais réparer mon arme. Je peux pas fortifier, là, non. 8, non. Moi, j'ai rien trouvé en... pierre de truc, là. Alors, réparer l'arme... Parce que le père Gascogne, il en a pris plein la gueule et mon arme, elle a morflé. 44 échos de sang. En plus, c'est pas cher. Trop cool. Ensuite. Mais ils sont plus là. Attends. Ah non, c'est pas là.
Ouais, c'est là. Toujours rien. Couvre. Ah, d'accord. Couvre-chef de Gascogne. Le problème, c'est que je sais pas, en comparaison par rapport à ce que j'ai. Je vois pas si c'est mieux ou pas. C'est ça le problème. Ça coûte combien cette. Ah ouais, mais non, mais là, c'est pas en argent, c'est en lucidité. Ah, c'est chiant, on peut pas comparer. Avec ce qu'ils vendent et ce que j'ai. C'est quoi ce truc? Oh, stat. R3 aide. Ah, pas mal ça. Réduction des dégâts causés par les. Ah, d'accord. Donc, je vais pouvoir savoir un peu. Ésotérisme, c'est quoi? Bah. Réduction des dégâts causés par les attaques ésotériques. Bon, en fait, c'est de la défense. C'est de la défense. Poison. Il y avait quoi qui était bestialité, c'est quoi ça? Plus cet attribut est élevé, plus vous vous rapprochez de la bestialité quand vous êtes temporairement transformé en monstre. Ça veut dire que je peux me transformer? Mais comment ça? Donc lucidité, ça je sais. Qu'est-ce qu'il y avait? Teinte sanglante. Ah, c'est la puissance pour les flingues en fait. Ésotérisme. Bon, par contre là je suis emmerdé, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comparer la tenue que j'ai, le set que j'ai, par rapport à ce qu'ils vendent là, si c'est meilleur. Il faut que je retourne à chaque fois dans les objets. C'est un peu chiant. Je peux pas mémoriser tous les stats du truc. 90, 110. Ça va, Liliana? Allez, dis-moi. Quelqu'un peut encore manger du mado ce soir. Encore? Oh non. J'aime tellement. Ben, je sais que t'aimes bien le McDo, mais on mangera. Dans deux dodos, on mangera un McDo. Pas tout le temps. Bon, d'accord, on ira tout à l'heure. Je finis la vidéo, on y va tout à l'heure. C'est maman qui a dit non, mais moi je voulais. Non, mais ça, je sais que tu mangeras bien au McDo tous les jours, je sais. Voilà, on verra après. On ira tout à l'heure. Alors, donc bah, je vais regarder ce que j'ai. Ah, attends, j'ai oublié. Donc là, c'était le père Gascoigne. Alors, le couvre-chef, on s'en fout. Surtout ça, tenue 90-110. 90-110, 40-50. Et moi j'ai. Ça on s'en fout. 110. Ah, mais je suis plus élevé. Là je suis plus élevé. Bah la peur Gascogne c'est de la merde. Quoi? Et je voudrais manger le sandwich que maman elle avait mangé hier au McDo. Ah, d'accord. Je voudrais le même sandwich que elle parce que c'était trop bon. C'était trop bon. Bon, alors maintenant. Bon, en fait, le truc du parc Gascogne. J'ai bien fait de trouver le set là. Il est bien caché, mais bon. Alors, je peux prendre deux niveaux. Peut-être. Ah non, carrément pas. Un niveau. Et j'avais dit, on ferait. Endurance.
15, 15. Et les deux autres, je ferai 15. Force, compétence, 15. On va faire comme ça. 1600. Eux, ils ont quoi avant? Rien de nouveau. Médaillon du chef des chasseurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé du portail de la place de la grande cathédrale. 10 000! Ah ouais! Par contre, ça doit être utile. Épée marteau. 3 000. Épée marteau. Ce que c'est. Par contre, la clé là, 10 000, waouh! En plus, je sais pas ce que ça ouvre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un bout de zone. Parce que là, en fait, ça fait 4 vidéos. Non, là, ça fait quand même 3 heures que je joue, quasiment 4 heures que je suis en train de jouer. Bah, il est bien le jeu, mais bon. Je commence à avoir la dalle. Là, Liliana vient de me parler de McDo, ça me file encore plus la dalle. Et on va se faire un bout de zone. Attends, alors c'était où? Je sais pas, c'était ça ou ça? Fauban, la cathédrale, je crois. On va se faire un bout de zone là-bas, histoire de dire... Parce que là, ça fait presque 4 heures que je joue. Bah, il est bien le jeu. Hein. Moi, je suis pas. Franchement, je suis pas déçu. Il est beau, il est. Il y a plein de trucs à faire. Il est pas trop compliqué. La prise en main, c'est rapide. Plus vite que Nioh. Là, t'as pas de parade, je crois pas. T'as pas de parade, t'as pas de. Ouais, voilà, c'est là que j'étais. Ah ouais, j'aurais dû retourner dans le village pour dire aux gens de venir se réfugier là, enfin à la meuf qui cherchait un coin. Donc là on peut pas y aller. Droite ou gauche? On va essayer par là. Truc, des nouveaux ennemis apparemment. Ouais, putain, mais tu sors d'où toi? Ça, il fait mal. Non mais l'autre, lui, il fait trop pitié. Espèce de corbeau qui s'est pas volé. Alors, encore un là. Ah, il y en a même plein. Je voulais l'esquiver, mais je sais pas, là... Il a pas, j'ai pas réussi à passer derrière. Savoir du démon. Le petit banc, ça fait genre parc, machin, on se repose, mais ça donne pas envie. Surtout quand t'as des corbeaux à la con comme ça à côté, ça donne pas envie de te poser sur le banc, quoi. Mais alors, pas du tout. Allez les enfants, on s'assoit sur le banc.
Papa, il y a des corbeaux. Mais c'est pas grave, laisse les corbeaux tranquilles. Les papayes. Tu leur jettes une boulette de pain et ils vont nous foutre la paix. Ouais, ça donne pas envie le banc. La petite place là pour être cool. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a du cercueil partout. Ouais, je sais pas, c'est trop. On dirait qu'il y a eu de la vie, mais c'est parti en vrille. Regarde, toutes les statues et tout, ça donne pas envie. Par contre, au niveau du jeu, c'est trop bien. Ça fait une bonne ambiance, mais bon. Putain, il te rentre dans la gueule. Tu luttes quoi, toi? Fiole de sang. Bon bah. Ah ouais, alors regarde, le landau. Tout à l'heure, je disais la chaise handicapée, c'est flippant, en bois. Après le landau, je faisais ça super glauque. Et là, t'as les deux en même temps. On monte en intensité. Ah, franchement, je trouve ça. Mais c'est bien, hein. Bouclier en bois. J'ai un bouclier. Je veux voir immédiatement ce que c'est. Les armes. Bah, c'est de la merde. Mais j'en ai un. Ah, je savais pas qu'il y en avait bouclier là-dedans. Il y a quelqu'un là-bas? Non. Bah, je regarde partout. Des fois qu'il n'y ait pas un Kodama. Non. Le mec qui est resté bloqué dans Nioh. Ouvrez la porte. Fermée par un mécanisme. Ma hache, elle est passée. Bon, apparemment, par là, on peut pas y aller. Là, il y a un toit. Ça devait être l'autre chemin alors. Voilà. Bon là j'ai bien tout fait hein, je crois. Il n'y a pas d'échelle bizarre ou une porte que j'ai loupée. Donc c'était par là. Ah j'ai 2800. Essayer de pas en avoir deux sur la gueule. Mais tu peux faire une esquive s'il te plaît. Il y en a un autre par là. Je sais pas où il est parti, mais je sais qu'il y en a un. Haute forme. Ah cool. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Il s'est passé un truc bizarre là. Ouais, attends, j'ai bien vu, vous avez bien vu. C'est quoi ça? Un vortex. Mais c'est quoi ce truc? Y aller. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, le mec, il est parti où, là? Il est parti par là. Fiole de sang. 4 fioles de sang. C'est quoi ce bruit? Oh. Ok. On va aller voir l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce jeu me plaît. On va revenir au début parce que là il y a trop de chemin. Donc je suis descendu de par là. Il y avait le mec qui avait là-bas. Et l'autre il est parti par là. Mais alors il est où?
Ah, mais il est là. Ah, comment ils sont grands. Là, je le tape. Ça aurait pu être un mec à qui on peut parler. Non, parce que je peux le loquer, donc non. Ah, ils sont bizarres, ils ont une espèce de masque. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a du monde. On se fait un petit barbecue. N'importe quoi, j'ai foncé dans le tas, j'ai attiré tout le monde, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans ce genre de jeu. C'est vraiment la dernière chose à faire, c'est... Il n'y a pas des corbeaux à la con encore. Il y a trop d'objets, c'est bizarre. Rosée de nécrosant, ah ça c'est bien. Cocktail Molotov, moi je prends. Les boss ils adorent ça. Ah, j'ai un petit regret, c'est le père Gascogne, je n'en ai pas mis un dans la tête, dommage. J'aurais bien mis un petit cocktail là sous le chapeau, boum. Là, je sais pas où aller. Ça c'est fermé. On peut pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un boss. Je me méfie maintenant. Là j'ai 4000, moi. Oh, le bruit de pas quand tu rentres. Le truc avec l'écho des pas, c'est trop bien. Trop bien fait. Ah. T'es tout seul ici? Savoir de démon, putain. Y a rien là? C'est quoi ce truc? Bizarre. On va aller par là. Ah, j'ai vraiment pas envie d'arrêter. C'est vraiment parce que j'ai la dalle, mais... Ah. Putain. Deux. Lock, lock, lock. Attends, un, deux, c'est bon. J'ai pas envie d'aller trop vite. Ils sont pas costauds, mais ils sont chiants. Je sais pas où je suis arrivé. Non, mais ce jeu, il est magnifique. Fermé. Ah! Une porte qu'on peut ouvrir. Entendez les bruits de pas qui résonnent? C'est des petits détails comme ça qui font que voilà, l'ambiance et tout, c'est trop bien. C'est quoi ça? Là, c'est des petits trucs comme ça qui font que bah, t'es en niveau immersion, c'est la vie quoi. Savoir du démon, putain, arrêtez les gars. Ah, putain, j'ai même pas vu. Activer le mécanisme.
Ah, mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Je me disais, il y a un truc bizarre avec cette tombe-là, en plein milieu, il n'y a rien, il n'y a pas d'échelle. Donc, il faudra que je redescende là-bas. Mais avant, il y avait un truc ici. J'espère que c'est pas un boss. Ah, c'est trop cool l'ambiance. Franchement, t'avances, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu mets les pieds, tu sais pas ce qui va se passer. Pff, trop bien. Franchement. Un truc là-haut. Y a quelqu'un là. C'est quoi? Un boss. Je peux pas le loquer. Parler. Vous chassez des monstres, pas vrai? Je le savais. C'est comme ça que j'ai commencé. Oh, veuillez m'excuser. Vous pouvez m'appeler Alfred, protégé de Maître Logarius, chasseur de Vilsang. Alors, qu'en dites-vous? Nos proies sont différentes, mais nous sommes tous les deux des chasseurs. Coopérons et discutons de ce que nous avons appris. Là, je sais pas, coopérer. Coopérer, ça veut dire quoi? Tu vas me suivre partout ou... Tu vas m'appeler pour des missions? Je sais pas. Bah, allez coopérer, mais... Très bien. Excellent. Prenez Mais quand tu parles, ta bouche, elle bouge pas. Papier de feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Prier, émote. La chasse aux monstres est une pratique sacrée. Que le sang pur guide vos pas. Nous avons sûrement des tas d'informations à partager. Allez, dites-moi ce qui vous intéresse. Comme vous le savez, l'église du remède est le berceau de la thérapie du sang. Je suis un simple chasseur. Je connais bien mal les détails de cette institution. Mais j'ai entendu dire que la source sacrée de la thérapie du sang est vénérée dans la vieille cathédrale et que les conseillers de l'ancienne église résident dans les hauteurs du faubourg de la cathédrale. Si vous voulez bénéficier de la thérapie du sang, et si l'église est d'accord, allez donc leur rendre visite. Birkenworth est un ancien lieu de savoir. Birkenworth. Le chasseur devrait connaître le tombeau des dieux sculptés dans les profondeurs de Yharnam. Jadis, un groupe de savants de Birkenworth a découvert une voie sacrée au plus profond des tombeaux. C'est ce qui a mené à la fondation de l'église du remède et à l'invention de la thérapie du sang. On peut donc dire que tout ce qui est sacré à Yharnam provient de Birkenworth. Mais aujourd'hui, l'université est perdue au milieu d'une jungle, abandonnée et décrépite. De plus, l'église du remède a interdit l'accès à Birkenworth. On ignore combien de savants sont encore en vie. Mais ils sont les seuls à connaître le mot de passe permettant de passer le portail. Bah, c'est bon. Je vous dis adieu. Ce fut un plaisir. Que le sang pur guide vos pas. Ouais. Et mets ton masque pendant le Covid. Il m'a donné pas mal d'infos, mine de rien. L'homme qui parlait sans bouger sa bouche. Donc, faut que je retourne dans le tombeau. Descendre là. Ah si. Quoi, Lily? Quel hamburger aussi tu as envie de manger? Je sais pas, on verra tout à l'heure. Est-ce que là on est tout à l'heure? Tout à l'heure, attends. J'ai pas envie de crever là, donc je fais attention.
Il y a un chemin. Un objet. Là, il n'y a personne, c'est trop bizarre. Joyau, sanglant, apaisant. Mais j'ai déjà ça, je crois. Oh, le gros coup de hache dans le derche. Merde. T'es tout seul là? Heureusement, c'était pas à deux. Fiole de sang. Fragment de pierre de sang. Ah, bien. Pas de boss, s'il vous plaît, pas de boss. Oh, la destruction. Oh, putain. Faut que je descende encore. Une lampe. Parfait. Voilà, ça tombe pile poil, c'est trop bien. Comme ça, on finit la session là-dessus. Voilà, nouvelle zone apparemment. Ah, je suis tenté de regarder. Voilà, j'ai 6000. Oh putain, j'ai même pas vu. Qu'est-ce que c'est? Mixture. Oh, c'est pourri ça. Bon, on va allumer la lampe au moins au cas où. Et on retourne dans le rêve des chasseurs. Et on va se quitter ici. Wouah! Bah, je sais pas si on a bien avancé, si je sais pas ce qui nous attend après. Voilà, rêve des chasseurs. Ah, les jambes de travers, c'est bizarre. Bon, 6000, je pense que je peux prendre au moins un niveau. J'ai eu du nécro-sang, je crois, ça s'appelle. Donc je sais pas si je les prends, peut-être je pourrais prendre deux niveaux. Mais on verra ça plus tard. Bah les amis, merci d'avoir suivi, merci de suivre, merci pour tous ceux qui arrivent, bienvenue, et puis bah, j'espère que ça vous a plu, on s'est fait deux boss, bah c'est facile apparemment, hein. Et puis bah, là on commence un peu, enfin je commence un peu à comprendre un peu le jeu, un petit peu les esquives et tout, ça part le gun hein, que je m'en sers pas du tout, j'y pense pas. Pour l'instant, je vois pas trop l'utilité. Mais faudrait que je m'y mette quand même, parce que peut-être que ça fait du dégât, donc je sais pas. Apparemment, c'est pour contrer. Et vu les coups de fusil que je prends dans la gueule, comment ça nique ma barre de vie, je me dis que peut-être je devrais m'y mettre. Et donc voilà, bon, on progresse gentiment, hein. Mais sûrement. Alors ben là je pense qu'il devait y avoir encore un boss pas loin parce qu'on a fait un gros bout de zone quand même. Donc je pense qu'il devrait y avoir quelque chose qui nous attend. Voilà. Bon, à la prochaine on continue là où on était.
Et on verra ce qui nous attend. Surprise. Allez, ciao à tous. Et n'oubliez pas, vous retrouvez les vidéos là que j'ai fait sur YouTube. Dragon Slayer. Avec un E. Et je remets tout ça dessus. Et puis, bah, merci de me suivre. Allez les amis, à très bientôt. Bah, je suis vraiment pressé, c'est vraiment parce que j'ai la dalle. Sinon, j'aurais bien fait encore... genre 2 heures de jeu, mais tranquille, quoi. Et donc à la prochaine, à très très vite. Je pense que demain je refais ça. On se refait 3-4 heures de vidéo. Et puis voilà. Allez, ciao à tous. Et à bientôt. Salut.